À quelques jours de la cérémonie d'élévation à la dignité des marshals du Tchad, du général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, par les élus du peuple, les préparatifs vont bon train. Sur l'avenue Jacques Nadingar, l'axe Mena, au lieu de la grandiose cérémonie, les ouvriers des entreprises citoyennes s'activent pour les derniers réglages afin de rendre la circulation plus fluide et la fête plus belle. Derrière le palais de la démocratie, une seconde rue vient d'être aménagée pour désengorger la voie principale. On est venu le soutenir avec le peu le moyen que nous en avons. C'est vrai, avant pour accéder à l'Assemblée, il y a une seule voie. Mais maintenant, vous voyez la route qu'on a aménagée. Maintenant, on est en phase de finition et carrément accessible pour que l'accueil sera bon. Et la cérémonie aussi sera en bonne et due forme. On est venu le soutenir en chair et en os, pour que la cérémonie aura lieu et dans le bon sens. Au sein du palais de la démocratie, voici l'image que représente la salle aménagée pour accueillir la cérémonie officielle. Tout est prévu par le comité d'organisation pour offrir toutes les commodités aux illustres invités, afin que cet événement historique soit marqué d'une empreinte indélébile. L'équipe de la direction du protocole de la présidence de la République, sous la conduite de son directeur, par ailleurs, président de la commission spécialisée protocole et accueil, est aussi mise à contribution et met le boucher double. Aucun détail protocolaire n'échappe à celle-ci. Ici, l'on assiste à une simulation, bien qu'il soit un exercice, mais comme il s'agit d'un événement détail, aucune fausse note n'est cependant permise. Il faut veiller au grain en prenant des dispositions, surtout le respect du rang selon les normes protocolaires. C'est ici au palais de la démocratie de Gassi que va se dérouler la cérémonie officielle d'élévation à la dignité des marshals du Tchad du président de la République Idriss Déby Itno par les élus du peuple. C'est 11 août 2020. Le comité d'organisation nous apprend que cette cérémonie va se dérouler dans un format très réduit dû à la COVID-19. Pour être au cœur de cet événement d'envergure, la télévision nationale tchadienne a mobilisé des moyens techniques énormes pour la retransmission de cet événement. Au sein du palais de la démocratie de Gassi, Amatia Yabas pour la télévision nationale tchadienne.